Bon bah jour 2, on va où les gars? On va à Aqualand. Un Flo. Flo, Théo, t'es le touriste. M'insulte pas s'il te plaît. Ouh. Attention la gars, la bagarre. On a tous nos petites gourdes, exactement les mêmes, peu importe le pays. Voilà, c'est des gourdes universelles. Décathlon. Décathlon. Hey, on est garé là, tu vois où? On est garé là. Ah merde, j'ai plus de temps. Non, non. Je me suis dit putain, elle a grossi. Elle a pris. Elle a mangé. La way. C'est tong. Résultat chaud. J'ai le seum. T'as le seum. Mec, gros, je peux pas rentrer là. Mais non, il a des grandes jambes. T'es derrière à gauche. Non. C'est le cul. La Dream Team, direction le parc aquatique. Nous sommes avec l'homme mulet. Voilà. Et l'homme mulet. Et l'homme mulet. Oh là. Les gars, je me dis direct. Je vais me refaire une coupe de cheveux, je veux plus jamais entendre ce surnom. Le basket, on veut le basket. Ça t'appellera le caillou. Là, mec, je ressemble à un rat et après à une pierre. Exactement. Tu crois vraiment qu'on va trop là-dedans? Les gars, on va jamais loger dans quel. Impossible, impossible. Oui. Il va avoir la bouée, il va. Impossible, il soit dedans. Il est mort. Est-ce que tu crois que tu rentres dedans? C'est un propre place. Oui. Oh, wesh, wesh, on va. Nous sommes en immersion. En direct, immersion aquatique. C'est un gros squat, ça prend sa grosse cuisse, ça dérange. Ah ouais, c'est difficile. Eh oh, eh oh, on rentre du boulot, la 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 la. C'est Koh-Lanta les gars, c'est Koh-Lanta. Putain, y'a des marches. C'est cardio, c'est cardio. Cardio time, cardio time. Non mec, je me tue. Allez, ça va gros sac. Ça va gros sac. Des intempéries. Il y a des intempéries. On est, attends, on est sous les flux du Niagara. On est en tempête. Voilà, voilà, Valène, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien. Oh, il y a un petit peu de vague, petit peu. Après les flux du Niagara, nous voilà dans le Tsunami au Japon. Il est merde. Il n'y a pas de vague là. Attends. C'est des vagoulettes là, c'est des vagoulettes. A few moments later. Les gars, là, il est. Ah, là, il est en train de se noyer. Ah, là, il est en train de se noyer. Regarde pas, moi j'étais pas bien. Parce que moi je voyais rien et je savais pas voir où j'étais. Et quand je voulais respirer, il y avait une vague qui tapait dans ma gueule. Je vais chercher un noyer. Je vais chercher celui qui va chercher des noyers. Je vais mettre un nageur. C'est la petite voiture. C'est pas la petite voiture, c'est la petite mobilette là. Du coup là on va bouffer des grosses pizzas. Parce qu'on a bien nagé. T'as mis un truc sur la tête. Qu'est-ce que c'est sur la tête? Tu te fais chier dessus. Par un pigeon, allez, voilà. Théo le rat, tu te fais chier par un pigeon. C'est pas possible frère. C'est dégueulasse. Ça se voit ou pas? Ouais. Ah ouais. Oh la tâche. Oh merde. On a pris tous une petite canette de C4 là. C'est un bon énergisant. Juste pour aller manger des pizzas. On terminera par une séance de gym nocturne en reprenant un bon shot de pré-workout. Et là, on sera bien. Un maximum de. Un maximum de sensations. Sensations, exactement. Voilà, on va manger une petite pizza. Deux petites pizzas. Comment ça, des petites? Nous, on veut des grosses. On n'est pas des. Deux pizzas ou une et demie? En vrai, une et demie chacun. Ça fait trois pizzas pour deux. Non? On est bien, on va être en bien. Pire, c'est. Alan, t'es sponsor Yunga, non? Non, non, mais un jour. Un jour, je me prends pas l'arbre, tu vois. Si je prends pas l'arbre. Voilà, exactement. C'est la représentation de Ziz, mais franco-belge. Exactement, sous naturellement.
Naturellement. Du coup les gars, on s'est donné un challenge avec Théo. Le but c'est de se trouver un truc l'un l'autre à moins de 10 euros dans le marché en moins de 5 minutes. C'est ça que t'as trouvé? T'as craint des douilles. Plus de malade, va. Et toi, t'as pris quoi? Oh, t'es pas vrai, tiens. Attends. T'es vrai? Qu'est-ce que tu m'as acheté, Alan? Un petit collier. C'est un collier de meuf. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est immonde. C'est dégueulasse? C'est... Non, c'est pas stylé du tout. Pour aller en rave, fuck. Bon, mais maintenant, on va manger une pizza. Je reviens avec deux pizzas. Encore deux pizzas? Je me bats les couilles. Tu vois, t'as pris deux pizzas? Oui. Bon, je reprends deux pizzas demain, c'est bon, voilà. Ouais, en fait, Théo, il râle. Parce que de base, on va aller à depuis là, moi, j'y suis au coucher de soleil. Et c'est incroyable, je comprends le principe, je voulais aussi trop faire ça. Mais là, on avait trop la dalle. Et en vrai, si on dépense 40 balles pour deux pizzas chacun, ça fait genre 120 balles de pizza. Moi, je suis allé manger chaud, tu vois. Parce que là, on doit encore aller à la salle après. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh putain. Ah, voilà. C'est trop stylé, frérot. Alors, mon petit Flo, on va manger chaud? C'est du bon, ça. Hein. Alors, Théo, on va manger chaud. Il m'a pris par surprise. Ah, par la nuque, comme ça. Non, mais... Il faut vous dire, les gars, on est trois. Et il y a 6 pizzas. Ça va être monstrueux. Non, ne lâche pas de cri là. T'es en train de dire. Tu vas booster pour finir ta pizza? Frère, deux pizzas. Deux pizzas entières, hein. Là, c'est la première assiette. C'est la deuxième que là. Eh, hey, tu sais pourquoi je vais la finir? Parce qu'on va toujours au bout des choses. Oh, vas-y, me casse les couilles avec ces phrases d'influence. Tu sais, le seul truc que t'as envie de chier, c'est de chier en spray une burrata. Du coup, les gars, on a tapé deux pizzas chacun. On va prendre deux desserts chacun. On va prendre deux desserts chacun. Après, est-ce que si je prends deux scoops de près, genre, ça va, diminuer mon estomac, genre, je serai plus léger. Le programme, on fait tout en deux fois ce soir. Tout en deux, ouais. On va faire 8 séries au bench, on en fait 16. Tout en deux fois, faut que je chope deux meufs alors. Moi, je devais en choper deux, j'en fais chope 4 alors. 4. Flo, il devait en choper 4 en rigolant. Choper 8. Florian, qu'est-ce que tu fais? Caché. Pourquoi t'es caché? Que j'ai trop mangé. Pourquoi t'as trop mangé? On fait trois fois deux ce soir. Les gars, là, on est dans une des salles les plus incroyables de France, je dirais. Affit Gym, comme tu peux le voir, la good vibe est présente. On va faire une séance monstrueuse. Hey boy. On va se mettre un peu de caféine dans le sang. Un peu beaucoup de caféine dans le sang. 23 heures. Tu vas arrêter toi? C'est encore une idée. C'est toi qui me filmes avec ton petit téléphone là. C'est encore une idée intelligente hein, de prendre de la caféine à fond. Voilà, exactement. À 23h. Bien joué les gars, bravo. Mais on s'en fout. Ça va être beau aujourd'hui, ça va être beau, ça va être très beau aujourd'hui. Ça va être très très beau, ça va être très très beau. Ça va être très très beau. Il est malade. Très très beau. Yes. Ken Twin sans dopage, c'est nous les gars. Yeah. Encore. Encore.
mets l'impatience dans des merdes. Espèce de lopette. Contrôle, espèce d'enculé, contrôle. Tu fais du muscle en contrôlant, voilà. Ceux qui contrôlent pas, c'est chargé. T'es un mec chargé? Ouais. Chargé en testostérone naturel. Exactement. Voilà. Voilà. Tout est dans la tête, frérot. T'as pas besoin de produits. T'es une bête parce que t'as envie de le devenir. De la manière dont tu t'entraînes, de la manière dont tu es discipliné, et de la manière dont tu vas à l'échec à chaque séance, à chaque répétition. Et ça, tu te calmes. Qu'est-ce qu'on fout là à 2h du mat, bordel Alan? Qu'est-ce qu'on fout là? Ouais. Fout là, c'est qu'il n'y a pas d'heure pour s'entraîner. Si tu sens que t'en as besoin, il faut y aller. Tu sens que ta tête, elle a besoin de t'entraîner pour dépenser des cales. Ou détruire ton corps pour le construire mieux demain. C'est ça qu'il faut faire, frérot. T'auras jamais rien sans rien. Pars du principe que tu dois faire des choses que les autres ne vont pas faire. Pour avoir les résultats que toi t'as envie d'avoir et que les autres seront jamais capables d'avoir. Ce qu'on va faire, c'est que toi et moi, on est dans la même équipe. Comme je dis souvent, on est dans le même bateau. Alors cette année, ça va être notre année. Et on va tout casser, frérot. On va tout péter cette année. On va tout péter. On est là pour devenir meilleur. Plus tard on sera beau. Là on construit, là on construit. On construit du muscle. Et grâce à ça demain tous les deux on a promis de faire une basket. Non, attends, je te fais des promesses pour rien, moi j'ai pas dit. Moi j'ai pas dit.